Le serveur graphique, ou display server, est un élément au cœur de la stack graphique d'un système d'exploitation. Il est l'intermédiaire entre une application GUI et le kernel. Il est inconcevable de s'essayer à afficher des éléments à l'écran en communiquant directement avec le kernel, ce dernier exposant des fonctions bien trop bas niveau et peut varier d'un système à l'autre. C'est pour cela que sur chaque OS, nous retrouverons des display servers. Ils établissent un protocole, une API, avec laquelle les programmes peuvent communiquer pour ordonner d'afficher des éléments à l'écran. Ces éléments sont traditionnellement des fenêtres, des textes, des images ou des formes primitives, comme des rectangles. La majorité des développeurs n'ont pas à se soucier du display server. En règle générale, le travail est délégué à une bibliothèque graphique, qui elle se chargera de communiquer avec le display server de l'OS. Sur Windows, on retrouve Desktop Window Manager, qui existe depuis Vista. Sur Android, on retrouve Surface Flinger. Apple supportait au sein de ses systèmes le protocole X11 jusqu'à macOS X10, avant d'utiliser son propre display server et window manager, Quartz, supportant toujours X11 via une application qui fait le relais entre X11 et Quartz. En 1984, une tentative commune de DEC, MIT et IBM, visant à rendre accessibles des ordinateurs à un maximum d'étudiants, débute. Dans le contexte de l'époque, les ordinateurs avec des capacités de travail intéressantes pour la recherche sont rares et chers. L'idée est alors de permettre à différents ordinateurs, sur différents systèmes, de communiquer avec un ordinateur mère qui effectue le gros du travail et répond avec les différents éléments affichés pour les ordinateurs connectés. Ça va souvent être des terminaux, parfois des graphiques, des images, mais en grosse majorité, ça sera des terminaux. Ainsi naît X, un protocole d'affichage asynchrone optant pour une architecture client-serveur permettant à différents clients de fonctionner en même temps en utilisant un seul serveur. Il est à l'époque le premier protocole d'affichage indépendant du hardware. Son adoption fut alors très rapide et devint le protocole d'affichage mainstream sur tous les systèmes libres. L'implémentation du protocole la plus populaire fut pendant longtemps le serveur X86 que l'on retrouvait dans toutes les distributions Linux et BSD jusqu'à qu'un changement de licence du logiciel fasse controverse et que le fork X.org devienne son successeur. La 11e version du protocole X voit le jour en 1987, c'est il y a 33 ans d'aujourd'hui, et seulement 3 ans après la première version. C'est à ce jour toujours la version majeure du standard utilisé. X.org est également toujours le serveur implémentant ce protocole qui s'est imposé. Néanmoins, X11 est grandement critiqué par un nombre d'utilisateurs et de développeurs. X11 est jugé comme étant un poids mort à l'écosystème Linux, l'empêchant de pleinement s'épanouir et étant une porte ouverte à d'innombrables failles de sécurité. En effet, depuis 1984, beaucoup de choses ont changé dans le monde de Linux. Or, peu de choses ont changé dans la philosophie de X. Beaucoup de fonctionnalités jugées à l'époque nécessaires ou inoffensives sont aujourd'hui pointées du doigt comme des infamies. Dans X, n'importe quelle application peut demander de lire tous les inputs reçus par le serveur, ou accéder à n'importe quelle application à l'écran. Il n'y a rien qui empêche un client X de devenir un spyware, et ça c'est jugé très grave. X a aussi été l'origine designée pour afficher des éléments très simples, des formes géométriques, des fenêtres, des textes. Malgré cela, la majorité des clients font eux-mêmes tous les calculs, et envoient au serveur les images entièrement construites. X n'a pas été prévu pour être utilisé de la sorte, et ce genre d'utilisation résulte en de très gros coûts de performance. X a été designé à une époque où un ordinateur ne pouvait supporter qu'un seul pointeur, qu'un seul clavier, qu'un seul GPU, et beaucoup de décisions et de design n'étaient pas future-proof. La majorité des features de X ne sont désormais plus utilisées, les clients eux-mêmes, c'est-à-dire les applications, dessinent leurs fenêtres, et lorsqu'ils l'envoient à X, X l'envoie au Window Manager qui va lui décider d'à quelle position, avec quelle décoration ou modification l'afficher. Beaucoup d'extensions ont été ajoutées par-dessus X.org afin de pallier à plusieurs de ces problèmes, mais cela a considérablement alourdi le projet, l'a rendu beaucoup plus complexe et lui ajoutant certaines fonctionnalités pas du tout adaptées à un display server. First thing we did is say we should let people be able to build it high beta. So we modularized the entire thing and suddenly it was all auto-tooled and it was really easy to build. But there was quite a lot to build. We accidentally split X into 345 Git modules. I did look that up, that's not exaggeration. En somme, X est devenu une énorme machine à gaz, avec un héritage important de fonctionnalités très peu utilisées, dont la majorité des applications utilisent d'une manière dont il n'était pas prévu à la base, tout cela le rendant très difficile à maintenir et avec des bugs qui perdurent depuis des années, même des décennies.
Parmi ces bugs sont souvent cités le tearing, des flashs, des images incomplètes, des applications qui s'empêchent mutuellement de fonctionner, comme par exemple une notification pop-up et le screensaver. Essayant tous les deux de récupérer tous les inputs du système, l'un bloque l'autre dans son exécution. Si cela ne vous fait pas peur, ça devrait. X va à l'encontre de la philosophie Unix, tout particulièrement du principe que chaque programme ne doit répondre qu'à une seule tâche et le faire bien. En 2008, Christian Huxberg, un des développeurs de X.org, employé de Red Hat, commence à travailler sur son temps libre sur une alternative à X.org. Sa vision, c'est un display server où each frame is perfect. Ce qu'il entend par là, c'est que le display server doit être si simple que lorsqu'on lui commande d'afficher une image, une application en somme, sera toujours affiché exactement comme demandé. Sur le papier, ça semble plutôt évident, mais le fait que l'on considère que ce soit une avancée considérable par rapport à X est assez alarmant. En 2010, le projet passe sous la tutelle de freedesktop.org, un projet bien connu de l'univers de Linux, œuvrant à uniformiser et standardiser l'expérience du bureau sur Linux. Citable pour des projets comme DRI, Mesa, Zephyr, Debus, FontConfig, GStreamer, Libinput, Pulse Audio ou encore Systemd, et j'en passe. Si vous utilisez Linux depuis plus de 30 jours, vous connaissez forcément au moins un de ces projets de nom. La première release de Wayland se fait officiellement en 2012, et le projet n'a eu de cesse d'attirer les développeurs graphiques Linux, notamment dans l'école des environnements de bureaux et gestionnaires de fenêtres. Wayland a toutes les clés en main pour être une réussite. Son but est d'apprendre des erreurs du passé en mettant le display server que X n'était pas. Le projet est entre les mains d'un grand nombre de développeurs qui ont travaillé sur X.org et savent donc qu'est-ce qu'il faut à tout prix éviter. Le plus gros du travail aujourd'hui est de faire transitionner la population Linux vers Wayland, autant les utilisateurs que les développeurs graphiques. Il y a quelques années, grand nombre d'utilisateurs désapprouvent le passage à Wayland, car celui-ci était encore trop instable, des crashs relativement fréquents, ou ne supportait pas des fonctionnalités que certains utilisateurs jugent essentielles. On notera par exemple la difficulté de mimer les tray icons sur Wayland, ces dernières n'ayant jamais été vraiment part d'aucune spécification, étant plus un hack fonctionnant sur X. Un autre point qui a repoussé les utilisateurs, c'est la tardiveté avec laquelle il était possible de capturer et partager son bureau sur Wayland, en raison de l'architecture de celui-ci qui limite chaque client à son propre environnement. Il manque de peau, Wayland ne se lançait pas. J'ai testé avec QEMU, ça a fonctionné, mais c'était une horreur au niveau de la capture du... C'est-à-dire, avec QEMU, la souris n'apparaissait plus. Donc je fais une vidéo où je vous montrais justement Wayland en action. C'est en 2016, avec la 25e version de Fedora, que Wayland est pour la première fois lâché sur le grand public en tant que display server par défaut. Debian et Red Hat ont suivi avec Debian 10 et Entreprise Linux 8 en 2019, soit 3 ans plus tard. Au niveau des environnements de bureau, GNOME et KDE ont transitionné vers Wayland. Il existe également Sway, un clone du Tiling Window Manager i3 pour Wayland. Du côté des bibliothèques graphiques, on peut citer GTK, Qt, SDL, GLFW et Freeglot qui supportent Wayland, parmi d'autres bien sûr. La transition n'est pas encore complète. Normalement, il est aujourd'hui clair et net que X est voué à disparaître et que Wayland est son remplaçant désigné. Nous vivons en ce moment un point crucial de l'histoire de Linux et il est plus qu'important d'encourager la transition vers Wayland au plus grand public. Yes.